Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis trop contente, je vais me faire coiffer. Je vais me faire coiffer par Gabi. Je crois que c'est la première fois que je me fais coiffer. Ah ouais. Que je me fais poser une perruque. Du coup là j'ai une perruque qui me vient de chez Ali Grace Hair. Et je voulais pas la toucher parce qu'en fait je la trouve grave belle. Tu vois. Et je me suis dit, il faut que ce soit un pro qui la fasse et qui t'aide ça. Il faut que tu l'aides. Mm-hmm. Non, t'as pas le choix là. C'est bon la gamme la hachée. Non. Tu vois, au niveau de la custom et tout, tu sais, quand je vais la remettre, il faut que, tu vois, je... Que ça, ouais. Voilà. Du coup, il va me la custom et tout, il va me la poser et vous allez voir le résultat à la fin. Donc, c'est parti. Bon, les gars, Gabi, il va customiser la perruque. Donc là, est-ce que tu peux un peu montrer ce que tu as fait avant? Alors là, les copines, hein, j'ai décoloré les nœuds de la perruque. Donc voilà. D'accord, et là il va customiser. Ouais, et après, il me la pose. C'est voilà. Ça. Carré, merci beaucoup. Et puis on dirait que c'est ma tête. Hein. Bah franchement, ouais. Hein. Mais genre, est-ce que c'est nécessaire de tout en mettre un bonnet quand tu fais une pause? Non, bah ça dépend en fait. Moi je préfère le faire. Ok. Pour ça. Mais ça sert à quoi en fait en vrai? En fait, bah moi je trouve que ça aplatit un peu plus. Ok. Et après, ça permet de mettre une barrière entre tes cheveux. La perruque et les cheveux, ok, d'accord. Donc, comme ça, c'est un peu en matière satin, tu vois, ça protège un peu le cheveu aussi. Quoi. D'accord, donc ça protège les cheveux. Et ben voilà, c'est tout en vrai. Et ça aplatit, c'est ça. Exactement. Tu sais que moi, j'en mettais jamais des jus. Ouais, je sais pas. En toi, c'est pas très grave, on s'en met pas. Hein. Ouais. Donc là, tu fais quoi? Là, je mets de l'alcool. Parce que vu que t'es maquillée, là, je préfère. Pour nettoyer. Ouais. Genre, si tu colles par-dessus le maquillage, c'est grave. Bah ça adhère pas trop, mais en gros ça dépend avec quoi tu colles. Là par exemple, c'est vu que je colle avec la Bolt All, la colle là qui... Ouais. Pour perruque. Et ça dure combien de temps ça? Ça peut aller jusqu'à genre 3 semaines, genre... Il y en a qui peuvent garder plus. Bon moi après je pense qu'au bout de 2 semaines, c'est bon, on a qu'à retirer. Ok. Et recolle parce que... Mais genre, imaginons là je pose la perruque, je peux la garder 2 semaines là. Bah normalement oui. Bah si j'ai bien fait mon travail. Et genre même quand si par exemple, parce que moi j'aime bien me laver le visage quand je me démaquille et tout, le soir. Bah écoute, tu mets la bande d'élastique. Ah après je lave. Et après tu laves. Je me lave avec et tout. Comme ça évite que... Voilà, qu'il y ait trop. Tu vois. Là ça c'est un protecteur de peau. Ah je savais, je connaissais pas. Ouais, tu dois mettre. En fait, avec la colle que j'utilise, c'est le combo en fait. Si tu mets pas ça, ouais. ça marche pas bien en fait. D'accord. Ça va protéger la peau, ça va éviter que... ça devienne gras, qu'il y a trop de sébum qui se sécrète. Ok, d'accord. Du coup, ça va faire la peau tenir plus longtemps, tu vois. Très bien. Mais ça, par exemple, je ne le savais pas. Ah, voilà. On avance jusqu'à où, tu m'as dit là, bah, je sais pas, en vrai. Après, de toute façon, on va la poser, je vais là. Ouais. Parce que, bien évidemment, j'ai un gros front, donc il faut bien avancer la perruque, faut pas être bête. C'est bien, parce que comme ça, j'ai pas de problème pour poser la lace, par contre. Elle a pas besoin de faire des faux crânes. Ah, en tout cas. Les gens qui sont complexés de vos fronts là, pensez bien que vous avez des avantages. Il y a des avantages sur cette palette terre. En vrai, avant j'étais archi complexée de mon front. Maintenant ça va mieux. Genre maintenant bah j'ai accepté, genre ça y est. Genre, en mode de toute façon j'ai pas le choix. Je vais faire quoi là? Voilà. Je peux pas me priver de faire certaines coupes parce que j'ai un gros front. Bah écoute, c'est comme ça, les gens ils vont s'habituer. Voilà. Puis, genre si vous avez un gros front, bah dites-vous que les gens vont totalement, ils vont s'habituer en fait. Si dès le départ j'avais montré mon front sur les réseaux, je pense pas que... Enfin les gens ils auraient dit j'ai un gros front mais genre sans plus genre... Alors que là, comme je cachais de ouf et que je me suis mise à montrer d'un coup, c'est sûr qu'ils se sont dit... Mais ouais... Ah ouais, un front de ouf. Oui j'ai un front de ouf. Mais je pense pas que ça aurait été la même réaction si j'avais pas caché. La même ampleur genre. Ça aurait pas été la même ampleur. Ouais voilà, ça aurait pas été pareil. Mais maintenant franchement les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Genre j'accepte, genre ça y est. On passe à autre chose. Franchement, avant, genre. Donc là, je vais mettre la perruque salée pour qu'on puisse un peu décider de... Où on va la coller. Ah non, avant tout, je vais la teinter. Tu la teintes avec quoi? Du fond de teint NYX. En palette, en crème, ouais. Tu peux mettre fond de teint liquide ou pas? Moi, j'aime pas, mais vous pouvez le faire. Et poudre? Poudre aussi, on peut. Oui. Ok. Poudre, on peut, ouais. Donc là,
Voilà, donc j'applique le fond de teint par la à l'intérieur. À l'intérieur, dans l'inside. Ça bouge pas. Et surtout aussi là, directement. Je pense que dans une perruque, le plus important pour c'est moi, quoi, c'est la custom. C'est vrai. Genre. Bah franchement, ouais, parce que si la bon, après aussi la découpe, hein, parce qu'il y en a, ils ont une bête de custom, mais quand ils commencent à découper, c'est bizarre. En vrai de vrai. Non, mais c'est vrai. Imagine, t'as une bête de custom, mais enfin, tu coupes archi mal. Ouais, je sais pas si tu vois. Là, tu parles de la coupe de la frontale? Ouais, genre quand tu découpes la tulle. Ah oui? Si tu découpes mal, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, ouais, la, surtout la custom. Je pense que c'est. Après, on n'est pas obligé de. Bah là, par exemple, sur cette perruque, il n'a pas custom à mort, genre. Oui, parce que voilà. C'est pas nécessaire, je trouve. C'est... En fait, il faut arrêter. Je trouve que les gens, maintenant, il y a beaucoup trop qui sont là en mode, il faut épiler beaucoup. Ouais. Non, les gars, non. Quand plus, vous... En fait, plus vous épilez beaucoup la perruque, moi, je trouve, et moins va durer longtemps. Donc, voilà, un entre-deux, quoi. Ouais. Que, en fait, ça se... au pire, que ça se dégarnisse naturellement, tu vois. Mais pas genre, c'est tout neuf et tu l'as dégarni. Par toi-même en plus, ouais. De ton plein gré. En tout cas. Franchement, ouais, en tout cas. Un peu de lac pour fixer, genre. Pour fixer le fond de teint. Ouais. Et donc, du coup, ça donne ça, genre. Voilà. Ok. Dans le dedans. Mets ta main pour que je vois si ça match bien ou pas. Ça fait. Ça le donne. Regardez. C'est trop joli, genre. Purée, on dirait même mon crâne. Ça sort de ton cul chevelu. Vraiment. Là, je vais appliquer la colle. Donc là, on va mettre. Je sais pas si on peut mettre. Si on va mettre deux ou trois couches. Et pour l'enlever, il va falloir que j'enlève comment? Sujet sensible. Non, je regarde. Tu mets. Faut que j'achète le produit qui enlève. Ouais. Mais de toute façon, tu vas m'envoyer les liens, je vais acheter cette colle. Ok. Bah, moi, je l'avais acheté chez Stella Yato, celle-là. Ok. Parce qu'en fait, sur le marché, je sais pas s'il y en a qui savent, mais il y a des fausses colles. En fait, là, pour savoir quand c'est. En tout cas, cette marque-là, la Bolt Alt. Ok. On voit bien. Non, on voit pas. On voit pas, bref. En tout cas, il faut qu'il y ait un code barre sur la Bolt Hold. En tout cas, il faut qu'il y ait le code barre. Sinon, c'est la fausse. Moi, j'ai acheté une fois chez un mec là. C'était la fausse. Et genre, les choses, bah, elles collent pas du coup. Bah, genre, non. J'ai déjà testé. Et je me suis dit, mais attends, tout le monde colle avec cette colle. Moi aussi, je vais tester. Et en fait, j'ai testé. Et genre, ça ne collait pas. J'étais en mode, mais en fait, je me suis rendu compte. Et en regardant sur internet, qu'il y avait énormément de fausses colles. Du coup, j'étais en mode. Ok. C'est quoi le délire, quoi? Ouais. Et tu fais des petits points ou des gros points ou... Soit des points, je vais faire des petits points. Je vais okay. Voilà. Mets plusieurs couches, pas la peine de mettre d'un coup, tu vois, beaucoup, quoi, ça pas grand chose. Il faut bien. Là, il a fait les points. Il faut bien étaler, genre. Donc, vraiment, je prends mon truc bien à plat, genre. Et t'étales. Oh, ça va vraiment bien plat. Et en fait, ça va sécher plus vite en plus, en vrai de vrai. Ok, donc là il a posé la perruque sur la colle. Donc là t'as rien fait d'autre. Non. Et là je vais pousser la lace dans la colle avec une brosse. Genre. Du coup là, désolé. Tu faisais quoi d'adducteur en fait? J'ai coupé, j'ai fait les séparations baby hair, wesh. Ok. T'as la ramasse. Et du coup, bah, du coup là, faut aplatir. Là, je vais mettre la bande d'élastique. Donc, du coup, là, on va laisser poser 10 minutes. Ok. Le temps que ça s'aplatisse bien, tout ça, t'as capté. Du coup, là, faut faire un raccord couleur parce que. C'est gris. C'est... Oui. Bah, la laisse était grise déjà de base. Donc. Bon, pour avoir un résultat bien plein shit, là, je vais prendre des sécations. Okay. Comme celui-là, d'accord.
Bon, là, faites très attention parce que c'est pas pour les enfants. Non, mais et, par contre, quand tu bouges comme ça, c'est là que je te brûle pour de vrai. Parce que du coup, vu que je vais vouloir chercher à faire quelque chose de sympathique, tu vois. Ça va, c'est chaud donc. Bah, franchement, je l'ai mis à chauffer depuis 3 heures. Donc, ouais. Alors, ce que je vais faire, ça va peut-être te faire mal. Quoi? Tu vois, tu veux me brûler. Le but, c'est de toi que je te brûle, pas moi. Là, je regarde. C'est mieux que je te brûle moi que... No face, no case. Franchement. Put that thing out of my face. C'est pas fini. J'ai fini du coup. Voilà la petite wig baby hair comme j'aime. Après, vous pouvez faire des pouces en deux derniers. Moi, j'aime trop les wigs. Franchement, ta belle. La perruque, elle est incroyable. Genre, vraiment, j'aime trop. Du coup, je vous mettrai toutes les informations en ce qui concerne la perruque en barre d'infos. Pourtant, j'ai pas tant intérêt à ça. Parce que je trouve que c'est un peu pas lumineux en fait. La laisse, elle est genre. Attends, je vais essayer sur le côté, pas sur directement là. Du coup, ben. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, il me recadre. Bah, du finir, coup, quoi. Franchement, la perruque, j'aime trop. Je crois que c'est du 180 densité, 28 pouces, 13 x 6. Donc là, vous avez toutes les informations, 1, 2, 3. Voilà, je vais vous laisser en fait, parce que je dois rentrer, parce que j'aime archi long. Et on a archi long. L'un de l'autre en fait. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vous mettrai le Insta de Gabi. Merci ma belle. Et du coup, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.